Donc, nous allons bientôt accueillir nos panélistes pour une discussion sur la médecine intégrative et l'approche holistique appliquée en oncologie. Mais avant ça, on va vous mettre le code Slido. Je vais vous inviter à retourner sur le Slido parce que là, je vous parle de médecine intégrative, d'approche holistique, etc. Mais je me demande pour vous, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire le mot « holistique » pour vous? Donc, le petit sondage est en ligne. Je vois qu'il y a déjà des gens en train de taper. Donc, complet, inclusif, global, 360. Aucune idée. Ben, c'est correct. C'est correct. On est là pour vous donner plus d'outils, justement. Complètement, bienveillance, bien-être, autrement, différent. Produits naturels, alternatives, bien-être. Entier, spirituel. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, puis je suis vraiment curieuse d'entendre ce que nos experts ont à dire sur le sujet. Donc, on va aborder les différentes stratégies et les pratiques complémentaires qui peuvent faire partie intégrante d'une approche qui est globale, on l'a dit, on l'a vu déjà dans le petit sondage, globale, centrée sur la personne et qui met la qualité de vie au cœur des priorités. Donc, je serai la modératrice de ce panel en compagnie de mes invités. Mes invités, ben voilà, je ne vous voyais pas à cause des écrans. Venez me rejoindre, donc. Judith Schedler, acupunctrice. Je vais prendre place ici. Marjorie Langlais, infirmière pivot en oncologie pour le cancer du sein à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bienvenue. Et Ahmed Jérôme Romain, kinésiologue, professeur adjoint à l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci. Bienvenue. Merci. Même chose, hein, vous pouvez poser des questions tout au long de la conférence via Slido et puis on se réserve un moment à la toute fin pour les questions micro et les questions Slido. Donc, bienvenue à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, médecine intégrative, approche holistique. On a vu un petit peu ce que ça signifiait pour les gens en un mot, mais comment ça, cette approche holistique-là, peut s'appliquer en oncologie? Bien, pour moi, dans le fond, ça s'applique par toutes les thérapies qu'on peut utiliser en même temps que les autres thérapies standards, là, comme la médication, puis qui vont aider à augmenter la qualité de vie des personnes qui reçoivent des traitements. Fait que pour moi, je pense que c'est vraiment ça qui est central. C'est tout ce qu'on peut faire, que ce soit dans notre quotidien avec différentes thérapies, que ce soit de la massothérapie, l'acupuncture, du yoga, de l'aromathérapie. Il y a une multitude là, de choix qui nous est offert, puis qui sont vraiment là dans le but d'augmenter la qualité de vie. Ça l'aide aussi, là, bien, il y a plein de bénéfices au niveau de la santé mentale, évidemment, de la santé physique. Puis je pense aussi qu'un des intérêts, c'est que ça nous aide à reprendre un sentiment de contrôle. Souvent, quand on a un diagnostic de cancer du sein, qu'on se fait exposer à plein de sortes de traitements, qu'on a un peu l'impression qu'on ne choisit pas, évidemment, on n'a pas choisi la maladie, mais en pouvant utiliser ces thérapies-là avec les autres thérapies qui nous sont offertes par l'équipe de soins, mais ça l'aide vraiment là, avec ce sentiment de contrôle-là. Puis je pense que c'est un des nombreux avantages. On est d'accord ici avec ça? Vraiment. Oui, oui. Parfait. Donc, c'est une approche qui prend en considération la personne et ses besoins, mais comme au-delà du traitement de la maladie. Oui. À partir de là, on considère toutes les pratiques qui peuvent contribuer à son bien-être, mais sans nuire. Donc, les saines habitudes de vie, les thérapies complémentaires, les produits de santé naturelle. Mm-hmm. Puis, avant de poursuivre, je pense qu'il est important de préciser de quoi il s'agit quand on parle de thérapie complémentaire versus thérapie alternative. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, quand on a fait la rencontre préliminaire, si j'ai bien compris, il ne semble pas y avoir de définition claire. Et ça peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Mais, quelle que soit la définition, on parle ici de pratiques qui viennent compléter l'approche médicale, hein, c'est ça, sans la remplacer, et qui visent à soulager les symptômes, les effets secondaires du cancer et des traitements, mais pas à traiter le cancer en tant que tel.
exact? Oui, exactement. Les thérapies alternatives, c'est un autre sujet de discussion qu'on pourra laisser pour une autre fois. Parfait. Donc, Madame Langlais, vous êtes infirmière pivot. Oui. Pouvez-vous nous rappeler un peu, peut-être, quel est votre rôle et qui peut avoir accès à une infirmière pivot en oncologie? Le rôle d'infirmière pivot, c'est un rôle très complet. Initialement, là, à la création du rôle, on avait 4 composantes. Donc, on est là pour soutenir, évaluer les besoins, informer et aider avec la continuité des soins. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'infirmière pivot va être un peu la personne de référence pour la personne qui va être atteinte là, du cancer du sein. On est là pour donner de l'information, répondre aux questions, diriger vers d'autres services. Par exemple, nous, on travaille en équipe multidisciplinaire, donc on a des collègues psychologues, travailleurs sociaux, nutritionnistes. Donc, on est un peu le point central avec ces différents professionnels-là, puis aussi, évidemment, avec l'équipe médicale. Qui a accès à une infirmière pivot, ça va beaucoup dépendre des centres hospitaliers. Chaque centre hospitalier va fonctionner un petit peu différemment. Moi, je travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. À peu près tout le monde qui va avoir un traitement pour un cancer du sein va avoir nos coordonnées. Donc, ça veut dire qu'il pourrait avoir accès à l'infirmière pivot. Ça ne veut pas dire que tout le monde va en avoir besoin. Puis vraiment, les personnes là, qui vont plus bénéficier là, du service de l'infirmière pivot, bien, c'est les personnes qui sont en traitement là, avec la chimiothérapie, en traitement plus actif. Mais ça ne veut pas dire que quand la chimiothérapie est terminée ou que la chirurgie est terminée, par exemple, qu'on ne reste pas disponible. Par exemple, moi, j'ai des patientes qui vont me rappeler 5 ans après leur diagnostic parce qu'ils font des inquiétudes au niveau de leur sein, au niveau de leur médication. Donc, nous, on est vraiment là, dans le fond, pour aider à s'assurer de la continuité, à rassurer. Je pense que c'est une des choses là, que les femmes apprécient. Puis, à faire le lien avec le médecin. On ne peut pas avoir accès à son oncologue, malheureusement, au bout du fil. Là. Ça serait intéressant, mais c'est ça. C'est pas possible. Mais nous, les infirmières pivot, on a quand même cette accessibilité-là. Peut-être qu'on ne peut pas nous parler dans la minute, mais généralement, c'est assez rapide. Puis, nous, on est en communication directe avec les médecins. Donc, c'est vraiment le but là, de faciliter le processus, d'améliorer la qualité de vie, aider à la gestion des symptômes, soutenir et bien plus. Mais globalement, je vous dirais que c'est ça. Donc, vous êtes en contact direct avec les patientes et vous êtes la première répondante à leurs questions. On comprend pendant les traitements et même au-delà. Et vous nous avez dit constater un intérêt de plus en plus marqué pour les thérapies complémentaires dans le cadre de votre pratique, c'est exact? Oui, en effet, exactement. Moi, je pratique quand même depuis plusieurs années en cancer du sein, puis je vous dirais dans les 2-3 dernières années, on remarque vraiment un intérêt beaucoup plus marqué là, pour tous les types de thérapies complémentaires. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Les gens sont de plus en plus intéressés, impliqués dans leur prise en charge. Je pense que c'est ce qui est super, parce qu'évidemment, la personne qui est concernée, c'est la personne qui a le cancer du sein. Donc, c'est important là, d'être présente puis impliquée dans les décisions. Puis, il y a aussi l'information qui est de plus en plus accessible, que ce soit avec Internet, les différentes fondations. Donc, je pense que ça aussi, là, ça l'aide là, au fait que les gens là, sont plus au courant. Puis, parfois, là, bien humblement, là, c'est les gens qui vont nous arriver avec des nouvelles thérapies qu'on ne connaissait pas. Puis, nous, bien, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on garde un esprit ouvert puis qu'on va les accompagner là-dedans. Souvent, on n'aura peut-être pas la réponse, mais on va faire les recherches en équipe pour voir si c'est un traitement qui peut convenir. Dans le fond, le but, c'est que ça ne nuise pas au traitement médical. Après, est-ce qu'il y a des bénéfices ou non, que ça a été prouvé ou non en recherche, ben, t'sais, si ça fait du bien à la qualité de vie, à la santé mentale, c'est rare là, qu'on va être contre, à moins qu'il y ait des risques réels au niveau là, des traitements en cours. Parfait. On parle de thérapie complémentaire, donc il y a l'acupuncture qui en fait partie justement. Donc, pour quelles raisons les personnes qui sont atteintes d'un cancer du sein, Mme Schedler, et qui reçoivent des traitements, pour quelles raisons ces personnes-là pourraient décider d'avoir recours à l'acupuncture? Puis combien de séances pourraient être nécessaires, par exemple, pour en ressentir les bienfaits? Bien, c'est une bonne question. Dans le fond, les patients peuvent venir pendant qu'ils sont sous chimio ou sous radiothérapie, mais ils peuvent venir également après, surtout quand les femmes ont des cancers hormonodépendants puis doivent prendre malheureusement des antiestrogènes qui peuvent créer justement des bouffées de chaleur, de l'insomnie, des conforts des fois digestifs pendant qu'ils sont sous chimio. Mais c'est sûr que tout ce qui est énergie, nausées, douleurs neuropériphériques, c'est toutes des choses qu'on peut traiter. Dans le fond, à peu près tout
tous les effets secondaires des traitements anti-cancer s'arrêtent ou se contrôlent avec l'acupuncture. Et là, le nombre de traitements, ça, c'est vraiment une question. Souvent, quand les gens arrivent et puis que c'est pour leur monothérapie, donc on parle, mettons, de bouffée de chaleur, on va dire qu'environ la moyenne des femmes, entre 6 à 10 traitements à raison d'une fois par semaine, on arrive à contrôler ou à les arrêter. Et ça va se maintenir dans le temps. Une fois qu'on a contrôlé les bouffées de chaleur, ils ne seront plus obligés de venir là à chaque semaine. Et en général, moi, je vois mes patientes pendant cette période-là, puis après ça, je les revois 2-3 fois au printemps, 2-3 fois à l'automne, ou quand il y a des périodes un petit peu plus stressantes dans la vie, des fois, les effets secondaires ont tendance à revenir. À ce moment-là, je dis toujours à mes patients, bien, revenez en prévention si vous pensez avoir une période un petit peu plus stressante, mais ce n'est pas quelque chose là, qu'ils vont être obligés là, de poursuivre. Quand les gens sont sous chimiothérapie, dans un monde idéal, malheureusement, on n'habite pas toujours dans un monde idéal, j'aime ça voir mes patients une fois par semaine pendant toute la durée des traitements. C'est vraiment là où on a un meilleur effet pour justement contrôler les effets secondaires là, par rapport à ces traitements-là. C'est intéressant parce qu'en plus, ce matin, on a entendu parler que l'amélioration de la qualité de vie et la gestion des effets secondaires, bien, ça améliore l'adhésion au traitement. Mais est-ce qu'il y a des contre-indications à recevoir des traitements d'acupuncture? Il n'y a pas de contre-indications, mais il y a des précautions à prendre. Premièrement, ce ne sont pas tous les acupuncteurs qui sont formés en oncologie. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que l'acupuncteur ou l'acupunctrice que vous allez aller voir a cette formation-là. Moi, j'enseigne aux acupuncteurs post-gradués cette formation-là. Sur mon site web, vous pouvez trouver la liste de tous les acupuncteurs qui ont été formés à travers le Québec. Si vous passez aussi par l'Association des acupuncteurs, vous allez pouvoir aussi avoir une liste des acupuncteurs qui ont cette formation-là. Après ça, c'est sûr que dans le fond, au niveau des effets secondaires de l'acupuncture, souvent, après un premier traitement, quand les gens n'ont jamais eu, ils vont se sentir fatigués, même un petit peu flottants, mais souvent, c'est que le premier traitement. Et naturellement, il peut y avoir des petits risques d'échymose de bleu où on insère l'aiguille. Ça se peut qu'il y ait une petite échymose à l'endroit où on insère l'aiguille, mais ça va disparaître, pas pareil comme quand on se cogne. Quand les gens sont sous chimiothérapie, moi, je demande toujours à ce qu'ils m'emmènent leur carnet aussi, avec leur prise de sang, pour vérifier où ils en sont au niveau, justement, de leur globule blanc. Parce qu'il y a d'autres méthodes que les aiguilles où on peut traiter. Donc, on peut traiter des fois avec un moxa. Donc, c'est un élément où on fait chauffer les points sur le corps. À ce moment-là, on n'insère pas d'aiguille. Donc, quand les neutrophiles diminuent trop, il y a quand même possibilité d'avoir des traitements à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de bienfaits possibles, puis il y a quand même peu d'effets indésirables si on s'adresse, évidemment, comme vous le disiez, à des professionnels qui sont compétents. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différents mécanismes d'action qui sont reconnus scientifiquement en acupuncture? Oui, bien... À cause de la crise des opioïdes qu'il y a eu aux États-Unis, le gouvernement américain a investi beaucoup en recherche sur l'acupuncture. Et c'est comme ça que maintenant, on connaît les 9 mécanismes d'action de l'acupuncture. Donc, entre autres, quand on insère l'aiguille, il y a une dépolarisation cellulaire qui permet une augmentation du flux sanguin. On permet aussi au corps de régulariser ou de produire certaines substances. Donc, il y a des cascades de mécanismes qu'on connaît, qui ont été étudiés grâce, malheureusement, à la crise qu'il y a eu aux États-Unis. Donc, il y a des bienfaits avérés qui sont prouvés scientifiquement, puis il y a une certaine reconnaissance aussi maintenant de la part des professionnels, même s'il y a du chemin qui reste à faire. Mais ce n'est pas le cas de toutes les thérapies complémentaires. Il y a certaines pratiques pour lesquelles on manque de données, d'autres qui s'avèrent dangereuses. Quand il n'y a pas d'effet délétère, mais pas non plus de bienfaits prouvés, est-ce qu'on peut laisser les gens explorer, M. Romain? Et puis, l'effet placebo, qu'est-ce qu'il y en est de ce fameux effet? Bien, je vais aller avec ce qu'a dit tout à l'heure ma collègue juste ici. C'est tant qu'il n'y a pas d'effet négatif, si ça fait du bien à la personne qui est en face de nous, on peut la laisser aller. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, beaucoup de traitements sur lesquels on n'a aucune idée
de leur impact, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est important de le dire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas montré que ça fonctionnait que ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Et quand on y va sur l'effet placebo ne veut pas dire qu'un traitement ne fonctionne pas. Il y a un effet quand on parle de l'effet placebo. Quand on compare un médicament, on lui demande à ce qu'il soit 20% supérieur à l'effet placebo. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'effet placebo a des bénéfices. Littéralement, quand on se comparait, après j'ai été recherché où est-ce qu'on connaît les bénéfices de l'effet placebo. On les retrouve sur la douleur, on les retrouve sur le sommeil, on les retrouve sur les nausées, on les retrouve sur plusieurs symptômes que l'on peut retrouver, notamment dans le cadre des personnes qui ont eu ou qui ont un cancer du sein, où on se rend compte que donc ça peut être un bénéfice. Donc oui, l'effet placebo existe, et j'ai envie de dire, si il permet d'obtenir des améliorations pour certaines personnes, autant laisser aller. J'ai envie de dire, ça fait de mal à personne. L'effet placebo fait de mal à personne. Tant que ça ne nuit pas. Effectivement. Et comment les personnes peuvent prendre des décisions éclairées là, en ce qui concerne les thérapies complémentaires ou les produits de santé naturelle? Est-ce que vous avez des outils ou des conseils à leur donner? La question peut s'adresser à tous les trois, mais je commencerai par Mme Langlais. Je pense que la première étape, c'est d'en parler ouvertement avec son équipe de soins. Parfois, on peut être un peu réticent à parler de ça parce qu'on peut penser que les médecins ou les autres professionnels de la santé vont être d'emblée contre ces thérapies-là, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'on va arriver là, avec une approche sans jugement. Comme je disais plus tôt, c'est peut-être des thérapies qu'on ne connaît pas. On va faire ces recherches-là. Par exemple, pour ce qui est des produits naturels, là, des choses qu'on va ingérer, que ce soit des comprimés ou d'autres choses, nous, dans notre centre, on va travailler de pair avec les pharmaciens en oncologie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que le produit naturel que vous voulez prendre ne va pas avoir d'interaction avec les molécules de chimiothérapie, par exemple. Ça, c'est, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Donc, si on vous conseille de ne pas prendre un produit naturel, c'est pas parce qu'on ne veut pas que vous ayez les bénéfices, c'est plutôt parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de risque pour votre traitement. C'est sûr qu'il faut quand même porter une attention particulière. Il y a des thérapies qui ont l'air miracles, qui vendent beaucoup de choses, puis pour lesquelles on peut dépenser beaucoup d'argent. Donc, ça aussi, ça prend en considération. Je pense vraiment la clé, là, c'est d'en discuter avec notre équipe, puis à ce moment-là, prendre la décision là, avec eux. Puis vous allez prendre la décision là, au bout de la ligne, mais c'est ça. Je pense que vraiment d'être ouvert là-dessus, c'est important, parce que parfois, on peut apprendre que la personne va avoir utilisé certains produits après qu'elle ait eu des effets secondaires ou des impacts négatifs. Puis là, c'est quelque chose qu'on aurait pu prévenir facilement. Donc, ça serait mon premier conseil là, d'en parler avec son équipe. Je vous vois, M. Romain. Je ne peux qu'acquiescer. Je pense que c'est le premier réflexe à avoir. Et après, si vous avez accès à d'autres professionnels, de professionnels de santé qualifiés et autres, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Puis effectivement, il y a des bases de données pour la recherche, j'ai envie de dire. Donc, on a le droit de se dire, sur certaines bases de données où il y a de la recherche en anglais, de la recherche en français, d'aller voir si on trouve de l'information. Et en fonction de ça, parce que ce n'est pas toujours digeste, la recherche scientifique, donc on a le droit de se dire, je peux l'imprimer, l'amener à mon équipe et leur demander, OK, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça peut m'aider ou pas? Et prendre une décision par la suite vis-à-vis de ça. Parfait. Donc, on remarque un énorme intérêt, un engouement là, certain pour ces thérapies complémentaires. Mais justement, là, on parlait de documentation qu'on pourrait imprimer, amener à son médecin, etc. Mais comment on peut savoir si les sources d'informations sont fiables parce qu'il y a quand même peu de données? Est-ce que c'est par manque de recherche, de résultats? Est-ce qu'il y a une difficulté à démontrer les bienfaits, par exemple? Oui, c'est pas une difficulté à démontrer les bienfaits, mais on en parlait tout à l'heure aussi. La première chose, c'est que beaucoup des thérapies complémentaires, malheureusement, leurs bénéfices sont... Ce n'est pas tant qu'ils sont difficiles à prouver, c'est que ce n'est pas forcément ce qui est le plus financé, parce que leurs effets sont relativement indirects, c'est-à-dire que, on arrive maintenant à quantifier ce que ça coûte quand une personne est en arrêt de travail. On arrive à quantifier ce que ça coûte quand une personne prend des antidépresseurs, quand elle est chez elle. On arrive doucement, mais ça, ce sont les effets indirects, donc ils ne sont pas tout de suite observables. Et donc, ça n'a pas une rentabilité immédiate, ce qui fait qu'on a du mal à aller dans ce sens-là. Ensuite, parmi les points, on sait que la recherche, ça prend du temps, c'est long, ça peut être compliqué. Et aussi, malheureusement, parmi les choses qui peuvent être un peu compliquées, c'est qu'on sait que la recherche, et c'est un peu méthodologique ce que je vais dire, mais
nos résultats d'études sont basés sur la moyenne. Donc, autrement dit, on prend des décisions basées sur des groupes de personnes en se disant tout le monde est homogène. Or, on se rend compte que finalement, tout le monde n'est pas homogène et que ce qui peut fonctionner pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Et ça, ça complique d'autant plus le fait de pouvoir valider des traitements complémentaires tels qu'on peut le trouver justement dans le cas de l'activité physique et que ça prend des méthodologies différentes et ça prend plus de temps. Donc, il y a des défis en recherche, évidemment, pour prouver l'efficacité de certaines thérapies. Par contre, pour certaines habitudes de vie, on est parvenu à démontrer scientifiquement les bienfaits. Monsieur Romain, la science, qu'est-ce qu'elle dit quant aux bienfaits des saines habitudes de vie pour les personnes atteintes de cancer du sein? Bien, là, au moins, l'avantage, on est quand même relativement avancé. Si on prend le cadre de l'activité physique, je regardais avec des collègues, on a publié en 2013 une étude sur les bénéfices de l'activité physique chez des femmes ayant un cancer du sein, et ça montrait, et sur la santé psychologique, donc on avait montré sur qualité de vie, dépression, anxiété, que le fait d'utiliser de l'activité physique permettait une amélioration sur ces différents facteurs-là. Puis maintenant, on est arrivé au stade où il y a des recommandations internationales sur les effets et les bénéfices de l'activité physique auprès de femmes qui ont un cancer du sein, chez celles qui ont été les survivantes d'un cancer du sein. Donc, et on se rend compte de tous ces bénéfices-là qui sont quand même relativement clairs, que ce soit sur la santé mentale, sur la santé physique, en plus du fait d'avoir montré qu'il y a très, très peu d'effets négatifs. Donc, on peut le dire maintenant avec beaucoup de certitude que oui, l'activité physique fait partie des thérapeutiques reconnues dans le cadre de la gestion, que ce soit sur la santé physique et mentale. Je pourrais aller un peu plus dans les détails si vous en avez envie. Mais on sait maintenant que c'est quand même très, 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 très bien reconnu. Et c'est la même chose sur le sommeil et l'alimentation. On a de plus en plus une idée de comment fonctionne l'alimentation, même si on a encore plus d'effets à faire, parce que la nutrition, c'est quelque chose de plus compliqué entre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. C'est plus complexe que ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il faut manger. Oui. Mais on commence à avoir des pistes qui montrent que, oui, la nutrition a un impact également. Pour l'activité physique, on parle, par exemple, demeurer actif, mais pas nécessairement pratiquer un sport ou faire de la course à pied. Ou comment on peut dire qu'on est actif, par exemple? Est-ce qu'il y a une balise qui existe? Je pense qu'est-ce qu'il faut dire qu'il y a des balises? Oui, il y a des balises. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut atteindre ces balises-là? Non. Okay. je vais m'expliquer. On se rend compte que les bénéfices de l'activité physique commencent beaucoup plus tôt que ce que l'on pense. Si on regarde les effets de l'activité physique sur anxiété, dépression, fatigue aussi, par exemple, on a des bénéfices à partir de 2 fois semaine aux alentours de 45 minutes. Donc, je ne dis pas 45 minutes les deux fois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on atteint ne serait-ce que 45 minutes dans la semaine, on commence à obtenir des bénéfices de l'activité physique. Ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un optimum. Donc, ça veut dire que si on en fait plus, on n'a pas d'effet supplémentaire. Cet optimum, il est aux alentours de 90 minutes. Et on se rend compte que quand on en fasse 90, qu'on en fasse 150, qu'on en fasse 200, qu'on fasse un marathon, ça ne change rien. OK. C'est bon à savoir. Là, on a parlé des saines habitudes de vie, des bonnes pratiques. Mais en fait, la difficulté, on sait que c'est bon à partir de 45 minutes, 2 fois semaine. Souvent, la difficulté, ça demeure de le faire, hein, de se mettre en action. Est-ce qu'il y a des trucs pour développer sa motivation, par exemple? Bien, je pourrais vous en donner plusieurs. Je pense que dans les premières, c'est de... Ça fait toujours sourire quand je dis ça, mais c'est d'accepter le fait que l'activité physique, on n'aime pas ça. Et je suis kinésiologue en disant ça. D'accord? Mais on a tendance à dire aux gens, faites de l'activité physique, vous allez aimer ça. D'accord? Ce que montrent les études, c'est que la plupart du temps, quand on fait de l'activité physique, on a du mal. Et c'est de l'accepter. C'est de l'accepter de dire, est-ce qu'il y a des bénéfices? Oui, il y a des bénéfices, mais c'est un des rares comportements de santé où les bénéfices, on les a quand le comportement s'arrête. Donc, ça veut dire qu'il faut passer par le stade où on va être essoufflé, où on peut avoir mal pour avoir les bénéfices. Et donc, d'être indulgent envers soi en se disant, c'est normal, et que normalement, si vous avez un bon professionnel, il va vous le dire, c'est normal d'être essoufflé, c'est normal d'être avoir mal, le plaisir, il arrive à la fin. Ensuite, on a tendance à dire aux gens, si tu es motivé, tu vas réussir.
Sauf que, ben, malheureusement, on le sait que c'est plus compliqué que ça. Il y a bien des gens, je veux dire, on pourrait demander dans la salle qui ne sait pas que l'activité physique fait du bien. La plupart des gens le on savent. On peut demander. Qui ne le sait pas? Pour qui on, à qui on apprend quelque chose aujourd'hui? Là? Voilà, c'est ça. Tout le monde le sait que l'activité physique fait du bien, oui. Mais ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on le fait. C'est un grand classique et l'idée, c'est de se dire, ben, on va sortir du côté très « c'est parce que je le sais que ça va arriver, donc je dois me motiver ben, ». C'est d'arriver par des stratégies parfois un peu différentes. Et parmi les stratégies qu'on demande aux gens, ben, il y a ce que j'appelle la stratégie du post-it, c'est-à-dire ben, prenez des post-it, marquez à plein d'endroits où vous allez chez vous des raisons pour lesquelles vous pourriez faire de l'activité physique. D'accord ? Comme ça, vous allez passer devant vous disant « ah ouais, c'est vrai, faudrait que je le fasse ». Vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du soutien social. C'est quoi le soutien social? Ben, quand vous allez dans vos équipes, ben, que vous avez vos intervenants qui vous parlent, c'est du soutien social. Ben, vous pouvez demander à votre famille, à vos amis, de vous écrire des mots sur des post-it. Vous allez écrire, vous allez coller ces mots-là chez vous avec des encouragements de vos amis. On peut aller encore plus loin. On peut se dire, ben, oui, effectivement, on peut planifier l'activité physique parce que si on ne planifie pas, c'est compliqué. On peut se dire, ben moi je fais partie de ces gens-là, l'attraction du canapé, ça peut être difficile. Donc, de se dire, ben peut-être que pour que ça marche, il ne faut pas que je rentre chez moi. Donc, de se dire, ben je vais partir avec mes affaires d'entraînement au travail si je travaille. Ben en tout cas, partout ailleurs. Et si malheureusement je rentre chez moi, ben se dire, ben je vais mettre mes affaires à l'entrée de chez moi. D'accord ? L'idée, c'est que j'ouvre la porte, ben je vais devoir les enjamber. Pour rentrer chez moi. Ben ça, ce sont des stratégies. C'est de se dire, OK, je les ai mises là ce matin. Il y a une raison. Donc, ça va... C'est juste diminuer les barrières que l'on peut rencontrer pour y arriver. Et après, se dire, ben, mine de rien, faire une activité physique qui nous plaît, c'est important. Parce que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ben, on ne va pas le continuer. C'est un grand classique. L'être humain, il y a peu de choses qu'on fait et qu'on n'aime pas en disant... C'est vrai, je n'aime pas ça, je vais le faire pareil. Bon, ben, l'activité physique, c'est pareil. Il faut trouver une activité physique qui fasse du sens, que vous êtes capable de maintenir, parce qu'une bonne activité physique qui fonctionne, c'est l'activité physique qu'on va maintenir dans le temps. Donc, il faut trouver ce qu'on aime. Oui. Et accepter que ça soit compliqué dans le temps. Puis, il faut explorer. Il faut explorer et il faut admettre que la formation d'habitude, donc le fait de se dire qu'une activité physique comme une routine, c'est... Ben, c'est compliqué, c'est long. Jusqu'à maintenant, les peu d'études qui sont concentrées là-dessus, elles ont montré que demander à quelqu'un, ou même pas demander, aller marcher 10 à 15 minutes à proximité d'un repas avant d'aller manger ou après un repas, on se rend compte qu'au bout de 3 mois, c'est toujours pas une habitude. Donc, ça demande une réflexion. Donc, ça veut dire que pendant plus de 3 mois, ben, y a des moments où on ne va pas vouloir. Ben, c'est correct. Il y a des moments où on ne va pas y aller. Ben, c'est correct. L'idée, c'est de se dire, ben, quand je n'y vais pas, ben, je dois le replanifier rapidement pour justement éviter d'être de nouveau attiré par le canapé. Voilà. Je vous demanderai à tous les trois aussi, dans un monde idéal, comment vous voyez ça évoluer, vous, l'approche holistique en oncologie? Quel serait votre grand souhait, Madame Chedler? Ah ben moi, dans un monde idéal, j'aimerais ça qu'on se compare aux hôpitaux les meilleurs au monde. Donc, si on se comparait au MD Anderson, au Massachusetts Hospital, eux, ils ont des équipes d'acupuncteurs à temps plein depuis 2002. Donc, c'est intégré. Moi, dans un monde idéal, je souhaiterais qu'à l'hôpital même, les femmes puissent avoir accès à ces soins-là et puis qu'elles n'aient pas justement à se déplacer, à trouver aussi par elles-mêmes des gens compétents, que ça soit vraiment, qu'on parlait même tantôt, qu'on collabore ensemble pour permettre justement d'avoir des soins médicaux, mais d'avoir aussi une qualité de vie avec ces soins-là. Oui, je suis vraiment sur la même longueur d'onde. On en discutait justement avant. Je pense que ça serait, tout le monde en bénéficierait, là, les patientes, ça augmenterait la qualité de vie. En tant que professionnelle de la santé, pour moi, ça a été super stimulant, c'est nos discussions, de justement avoir accès à ces personnes-là autour de nous avec qui on peut travailler directement puis avec qui on peut facilement diriger les femmes. Parce que, tu sais, par exemple, si quelqu'un nous parle d'une thérapie complémentaire, bien, après ça, on les dirige à l'extérieur de l'hôpital, ce qui augmente les défis de transport, défis de rendez-vous supplémentaires, puis tout ça. Donc, moi aussi, dans mon monde idéal, ce serait que les équipes deviennent de plus en plus grandes dans les centres hospitaliers, puis qu'on travaille tous ensemble pour le bien-être des personnes qui reçoivent des traitements.
Moi, je vais aller plus loin. Moi, je vous dirais, en fait, c'est la communauté. Je vous dirais une de mes plus grandes frustrations que j'ai eues quand je suis arrivé au Québec il y a quelques années maintenant, c'est que l'espèce de modèle qui dit avoir des grosses associations de communautés, de personnes qui iraient ensemble, qui auraient accès à tous les professionnels, mais les professionnels viendraient vers elles, viendraient dans la communauté qui leur permettrait de s'organiser, se dire on s'organiserait une marche ensemble, on irait faire des événements sociaux ensemble. Et de temps en temps, quand on a une envie, on a une question, ben on dit aux professionnels, ben, est-ce que ça vous tente de venir parler dans l'espèce de communauté qu'on a créée tout ensemble, de dire ben, on voudrait entendre parler ben, justement de l'activité physique ou de n'importe quoi, ben, que ce soit la communauté des femmes qui disent venez à nous, et nous, on va vous poser les questions. Justement dire, ben, être capable de dire, ben, la vie, c'est dans la communauté, c'est d'aller un peu plus loin. J'avoue, c'est un peu une de mes frustrations. Je me dis, j'aimerais qu'on aille vers ça. Je vous dirais, quand on dit que, par exemple, pour la santé mentale, dans le cadre de la dépression, c'est l'activité physique qui fonctionne le mieux, je me dis, ben, en fait, on devrait avoir des communautés en disant, ben, si vous avez des symptômes dépressifs, ben, mettez-vous, et en fait, un kinésiologue va venir pour vous, il va venir dans la communauté parce qu'il va toucher beaucoup plus de personnes dans la communauté, malheureusement, que dans les hôpitaux. Donc, que ce soit moins unidirectionnel ou plus de l'autre sens, finalement. De l'autre sens, parce que ça part justement des participants, des femmes qui disent, nous, on aimerait avoir ça. Et que, justement, ça soit offert, et qu'elles pourraient inviter leur famille, leurs amis, justement, et que ça, c'est une communauté qui aurait du poids et qui dirigerait. Et ça, j'avoue, ce serait mon grand rêve. À petit niveau, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu un premier pas dans ce sens-là, tu sais, d'avoir justement ces discussions-là entre différents professionnels, avec les personnes atteintes. Je pense que c'est un environnement qui est propice à ça. Mais oui, évidemment, on voudrait pouvoir aller beaucoup plus loin là-dedans. Complètement. On va maintenant passer aux questions, si vous en avez. Il y a toujours les deux micros, je vous le rappelle, qui sont là, qui sont disponibles pour vous. Et j'ai déjà plusieurs questions là, qui nous ont été envoyées sur Slido. Est-ce que vous me voyez bien? Oui. Oui, parfait. Donc, je vous laisse la parole. Moi, je suis une abonnée à l'acupuncture. Ça a réglé complètement les bouffées de chaleur, l'insomnie, et je crois aussi en partie des problèmes articulaires qui sont dus à la prise de l'étrozol. Par contre, mon acupuncteur, qui est d'origine asiatique, me parle régulièrement d'aliments à éviter. Je ne vous parle pas de sucre et d'alcool, on le sait, là, mais de certains fruits, du gluten. Alors, que pensez-vous d'un régime anti-inflammatoire, que par ailleurs j'ai commencé il y a plusieurs mois, mais qui est quand même assez astreignant parce que ça veut dire pas de produits laitiers, pas de gluten, entre autres. Que pensez-vous de ça pour aider les femmes qui, comme moi, ont des effets secondaires à la prise d'inhibiteurs d'aromatase? Madame Schneider, est-ce qu'on a... c'est une bonne question. Moi, j'avoue que je ne suis pas nutritionniste et je ne suis pas non plus diététicienne. Moi, je peux vous parler de l'acupuncture. Je peux vous parler de ce qu'on peut faire. Mais malheureusement, quand on parle alimentaire, je réfère mes patients vers un professionnel qui a été formé pour ça. Moi, malheureusement, ce n'est pas ma formation. Donc, j'aurais beaucoup de difficultés à vous répondre. Parfait, donc il faudrait aller vers C'est un acupuncteur d'origine asiatique et c'est pour lui la médecine chinoise qui incorpore là-dedans. Et pour lui, l'alimentation est fondamentale. Bien, dans le fond, si on élargit la médecine, dans la médecine chinoise, effectivement, il y a l'alimentation, il y a le qigong, il y a le tuina, il y a les herbes, il y a l'acupuncture. Donc, ces cinq branches-là ensemble forment la médecine chinoise. Moi, je ne pratique pas l'alimentation, je pratique avec des aiguilles. Je trouve que je fais déjà beaucoup de choses, c'est déjà un large éventail. C'est que je me concentre vraiment là-dessus. Malheureusement, je m'excuse, je ne peux vous répondre pour ça. Mais connaissez-vous des études là-dessus, les trois? Je vais vous donner la réponse. Est-ce que ça a été montré que l'alimentation sans gluten améliore? La réponse, c'est que ce n'est pas si clair, voire pour ne pas dire non. Par contre, ce que je disais tout à l'heure et qui est important, c'est que beaucoup d'études se font sur la moyenne. Et que de plus en plus, on va sur ce qu'on appelle des études de N sur 1. C'est un grand mot qui veut dire quoi? Qui veut dire, ben, si vous pensez que ça peut avoir un effet, ce qu'on recommande aux gens, c'est pour vous, faites une phase de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sur cette alimentation-là. Voyez comment vous vous sentez. Ensuite, revenez sur une alimentation, votre alimentation d'avant. Voyez comment vous vous sentez. Et au fur et à mesure, ce qu'on vous dit, c'est juste prêter attention à votre ressenti,
que ce soit par rapport à ce qui vous intéresse, et voyez si ça change. D'accord? De plus en plus, on fait ce genre d'études au niveau de la personne. Parce que ce que ça veut dire, c'est que ce qui peut être vrai pour certaines personnes ne l'est pas pour d'autres. Donc, si vous, vous voyez que ça vous a aidé, alors oui. Si vous voyez que ça ne vous a pas aidé, alors non. Mais si vous me demandez sur les études, sur la moyenne, le monde, pour le moment, ce n'est pas si clair pour ne pas dire que non. Mais on peut le tester. On peut le tester. Parfait. Merci. En tout cas, l'acupuncture, c'est bien. Parfait. J'ai une question Slido ici pour Mme Schedler. On nous pose beaucoup de questions sur l'acupuncture. On sent que ça vous intéresse. J'en ai une qui demande, est-ce qu'on peut faire de l'acupuncture avec un lymphodème? Absolument. Naturellement, on ne va pas piquer dans le membre où il y a un lymphodème, mais habituellement, il reste toujours un bras. Mm-hmm. Il reste le tronc, le dos, les jambes. Donc, il n'y a aucun problème à avoir de l'acupuncture pour un lymphodème. Par contre, on ne va pas traiter le lymphodème et on ne va pas piquer naturellement dans le membre où il y a le lymphodème. Merci. Madame? Bonjour, ma question est pour Judith. J'aimerais savoir si l'acupuncture peut soulager les douleurs neuropériphériques. Oui, absolument. Quand on pense aux femmes qui sont sous chimiothérapie puis qui ont le Taxol, qui est une chimio qui cause des douleurs neuropériphériques, lorsque les gens viennent dès le début des traitements, souvent on peut empêcher l'apparition de ces douleurs-là ou quand elles apparaissent, on peut réussir à les contrôler, ce qui permet qu'on ne saute pas de traitement, qu'on n'arrête pas la chimio ou des fois qu'on ne diminue pas la dose. Quand les femmes, malheureusement, étaient pas au courant, puis qui ont développé des douleurs neuropériphériques. Des fois, j'ai des gens qui arrivent, ça fait 5 ans qu'ils ont des douleurs à leurs pieds, qui ont des douleurs aux mains. On arrive aussi à les arrêter. On arrive à recréer les connexions. Ça prend à ce moment-là plus de temps, mais comme je disais, on parle d'ici entre 15 à 20 traitements pour des gens qui ont des douleurs neuropériphériques pour plus de 5 ans. Mais 15 traitements pour sentir ses pieds, plus avoir de risque de chute, c'est ça. Ça peut être très bénéfique. Absolument. Ça peut changer... Une vie. Changer une vie, oui. Peut-être une question qui s'adresserait à vous ici, M. Romain. On nous demande, est-ce que le yoga est considéré comme une activité physique? Oui. Termes de bienfaits, oui, ça dépend de où est-ce qu'on veut obtenir des bénéfices. Mais ce qu'on sait, par exemple, sur le yoga, c'est que ça fonctionne bien sur une réduction de tout ce qui est symptômes anxieux/dépression. Je dirais une réduction, ça ne va pas les faire disparaître, mais on sait que ça peut les faire réduire. Malheureusement, si on veut vraiment avoir un effet un peu plus important, c'est plus recommandé d'aller sur de l'aérobie, dans quelque chose où la respiration va augmenter. Mais oui, tout ce qui est activité physique de type corps et esprit, ça fonctionne. Merci. On vous écoute. Bonjour. Je pense que vous venez de répondre à ma question. C'est vrai? Mais c'était juste pour savoir, est-ce que activité physique veut dire aussi transpirer ou juste bouger? C'est quoi, dans un monde idéal, on va bouger combien de minutes par semaine ou combien de minutes par jour? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, l'activité physique, c'est bouger. Donc, la marche fait partie de l'activité physique. Le yoga, ça fait partie. C'est juste qu'est-ce qu'on en attend comme bénéfice. Si effectivement, on part sur la santé physique, ce que ça demande, on sait que oui, on a des bénéfices aux alentours de 45/90 minutes et que le plus grand facteur, c'est la durée. On se rend compte que ça marche bien quand on arrive à maintenir quelque chose au-delà de 12 à 15 semaines à peu près. Donc, c'est le temps qui fonctionne. Après, l'aérobie, donc effectivement, le moment où on commence à transpirer, c'est bien. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans des intensités trop élevées, d'accord? Le côté, il faut se faire mal, il faut suer, ça n'apporte pas plus de bénéfices que de faire ça à une intensité modérée. Là-dessus, la science est assez claire. Je la regardais encore juste en arrivant ici. Il n'y a pas de différence majeure entre se rentrer dedans et quelque chose de plus modéré. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que vous préférez, tout simplement. Parfait, merci. Merci. J'ai une question Slido ici qui s'adresserait, je crois, en priorité à vous, Madame Langlais. Mm-hmm. On nous demande comment est-ce que les médecins et les infirmières
comment on peut être assuré là, qu'ils gardent un esprit ouvert? Est-ce que les professionnels de la santé sont éduqués ou formés sur les thérapies alternatives ou ils ne connaissent pas trop ça? C'est une très bonne question de comment s'assurer que la personne en face de nous a un esprit ouvert. Je ne pense pas que j'ai cette réponse-là. Je pense que la majorité des personnes qui travaillent là, dans l'oncologie ou dans le milieu de la santé ont comme intérêt le bien-être de la personne qu'ils vont traiter. Donc, je pense que de là, on peut partir avec l'idée que la personne en face de nous va avoir l'esprit ouvert. C'est sûr que certaines personnes vont peut-être être moins réceptives à certaines sortes de thérapies. Mais dans ces cas-là, je pense qu'il y a différentes personnes à qui on peut s'adresser là, dans notre équipe. Par exemple, si on se sent moins à l'aise de parler avec notre oncologue, est-ce qu'on pourrait en parler avec notre pharmacien? Est-ce qu'on pourrait en parler avec notre infirmière pivot? Puis, des fois, on peut être un peu le messager, si on veut. Là. Les infirmières, on a entre autres un rôle d'advocacy, donc d'être là pour protéger les intérêts de nos patients. Donc, c'est ça, je pense que ça peut être une alternative quand on ne se sent pas nécessairement à l'aise d'en parler avec certains professionnels. Puis, je pense que de plus en plus, les sujets des thérapies complémentaires font partie des formations, des sujets de discussion entre les professionnels. Il y a 10 ans, je ne pense pas qu'on aurait même eu cette discussion-là. Les choses avancent. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui avance au même rythme, mais je garde confiance là, aux professionnels là, qui sont dans le réseau, puis surtout là, en oncologie. Là, on a à cœur le bien-être là, des personnes là, qu'on traite. Merci. Je vous donne la parole. Bonjour. 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 C'est mon premier forum ici, puis je trouve ça exceptionnel. Et je m'excuse en avance si mon français n'est pas si bien, mais c'est ma 3e langue. Alors, je fais mon mieux. On vous comprend très bien. Oui. Merci. Je voulais vous remercier beaucoup de la chose que vous avez mentionnée, la communauté, OK, que pour nous encourager de faire des exercices, de faire, OK, parce qu'avant mon cancer, c'était seulement le sofa puis le travail, OK? Mais après mon cancer, j'étais chanceuse, puis je dis ça dans une façon que j'ai trouvé, je suis émotionnelle, mais j'ai trouvé le côté positif du cancer du sein, parce que j'ai été recruited. Recruté. Merci. J'ai été recrutée par des membres de Bateau Dragon. Et là, ça fait presque 8 ans que je fais du Bateau Dragon. Je suis survivante de cancer du sein 2 fois. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien, beaucoup de... avec ces dames-là, qu'on pagaille ensemble, qu'on se parle, puis que... Et alors, ça m'a donné beaucoup. Alors, de dire qu'il y a un côté positif du cancer du sein, c'est quelque chose pas difficile à dire pour moi, mais ça m'a donné la chance de faire cet exercice-là, de faire ça. Puis, ça a été prouvé, ils nous ont dit ça souvent par le médecin Don McKenzie, qu'avant, les femmes qui avaient le cancer du sein était encouragée de ne pas faire des exercices, de ne pas bouger, de ne pas prendre du poids. Mais là, on a des équipes partout au Canada, je ne sais pas si vous le savez, mais partout au Canada, que ça fait presque 30 ans qu'on a ça, puis c'est incroyable. Et après avoir eu le cancer du sein, là, j'ai la chance de dire que je suis athlète. Oui, jamais dans ma vie! Alors, j'encourage tout le monde. On a 3 équipes ici. Mon équipe, c'est côte à côte. Mais c'est pas parce que c'est ça. Mais on a aussi, disons, on a nos Olympiques. OK? Aux 4 ans, on se rend compte dans un pays. Moi, la carotte qui m'a été donnée au bout du fil... C'est parce que en 2016, quand ils m'ont dit 2018, le chose internationale pour les
pour les, 20, pas 20, les, pour les dames de... C'était en Italie, ah, mon pays de naissance. Alors, la personne qui a beaucoup eu peur de l'eau s'est mise dans un bateau, s'est mise à pagailler avec toute ma force et j'ai eu la chance d'être en Italie avec presque 5000 personnes. La plupart, c'était des femmes, mais il y en avait des hommes aussi, OK, qui avaient eu le cancer du sein. Puis c'était une expérience incroyable. Puis en 2026, on va se rencontrer tout le monde en France. Ah, bien merci. Merci. Alors, bonne chance pour ça. C'est... Merci. Le forum a été incroyable. C'est ma première année. C'est incroyable. Puis que ça m'a donné aussi des soutiens parce que j'ai encore side effects. J'ai encore ça, même après plein d'années, plein de tamoxifène, d'autres médicaments, puis tout ça. Mais j'en ai encore. Puis d'entendre qu'il y a d'autres personnes qui l'ont encore, ça m'encourage de tenir le coup. Et merci beaucoup de m'avoir donné la chance. Merci. On va prendre une toute dernière question que j'ai reçue sur Slido. Je me suis aperçue que peut-être qu'on n'avait pas été très clair quand on a parlé de douleurs neuropériphériques. Il y a des gens qui se demandent ce que c'est. Donc, est-ce qu'on peut le mettre en contexte? Ou absolument, je m'excuse. Des fois, on est dans notre monde. Hein, c'est qu'il y a certains types de chimio qui, malheureusement, vont donner des engourdissements ou des pertes de sensations au niveau des pieds et des mains. Des fois, ça peut aussi être ressenti aussi comme de la brûlure. Des fois aussi, les patientes vont me décrire aussi qu'ils ont l'impression de marcher comme s'il y avait des papiers en dessous de leurs pieds. Donc, s'il y avait comme une épaisseur, si on veut. On peut parler aussi des pieds qui sont pris dans un étau. Donc, ça peut vraiment se présenter de plusieurs façons. Et puis, c'est causé pour le cancer du sein par une chimio qu'on appelle le tamoxifène, entre autres. Le Taxol. Le Taxol, oui, excuse. Merci, c'est le Taxol. Oui. Excellent. Mais merci pour cette précision dont plusieurs personnes ont bénéficié. Donc, merci beaucoup pour cette discussion. On peut les applaudir, Judith Chedler, Marjorie Langlais et Ahmed Jérôme Romain. Merci.